Quand Paris a fêté ses 1000 ans et des poussières, elle a dû traverser de bien sombres périodes, au point même d'être abandonnée des rois qui lui ont préféré d'autres lieux pour installer leur capitale. Pourtant, ces mésaventures ont forgé le caractère des Parisiens et dessiné une nouvelle géographie de la ville. Pour aborder ce 11e siècle, commençons à la station Arts et Métiers. Ici se dresse alors une petite chapelle consacrée à Saint-Martin. Souvenez-vous, il y a 600 ans, Saint-Martin, de passage à Paris, a guéri un lépreux à cet endroit. En son honneur, on a élevé un petit oratoire qui est devenu une modeste chapelle. Et celle-ci ne va pas tarder à grandir, devenir de plus en plus somptueuse. Mais avant ce passage à l'an 1000, date rondelette mais qui n'a pas ému plus que ça les Parisiens, Paris est morose. Dans certaines églises, d'inquiétants abbés annoncent pour tout de suite la fin du monde. Paris serait-elle maudite? Sur l'île de la Cité, le roi Robert, le deuxième roi franc de la dynastie des Capétiens, célèbre l'an 1000 dans l'isolement d'un palais quasiment vide. Les vassaux, les conseillers, les clercs et même la plupart des serviteurs ont fui. Quelle malédiction s'est-elle abattue dans ces murs? Comment le fils duc Capet, dont la vie est exemplaire, a-t-il pu être délaissé de tous? Eh bien, figurez-vous que le roi Robert est tombé amoureux d'une femme mariée. La célèbre Berthe de Bourgogne. La belle devient veuve et le roi Robert peut obtenir sa main. Mais Hugues Capet s'y oppose, car Berthe n'est autre que l'arrière-petite cousine du roi. À la mort de son père, Robert épouse son amante. Mais l'Église, qui ne badine pas avec les liens de consanguinité, même s'ils sont un peu éloignés et tortueux, excommunie le roi de Francie de la communauté des fidèles. Une condamnation et une damnation. C'est ainsi que les derniers domestiques encore sur place prennent de grandes précautions. Ils purifient la vaisselle du roi par le feu et la prière après chaque usage. Persuadés qu'un simple contact avec ces ustensiles les vouera aux flammes éternelles de l'enfer. Devant le rappel permanent de leur union incestueuse, véritable malédiction, Berthe craque. En plus, elle n'a donné au roi pour descendance qu'un enfant mort-né en 5 ans de mariage. Et l'Église, qui n'accepte pas d'être contrariée, a aussi proclamé une pénitence de 7 ans en cas de non-séparation des époux. Devant de telles pressions et d'infortunes, Berthe se dit qu'au fond, elle ne tient pas tellement à être reine des Francs. Elle renonce donc à l'amour et quitte Paris. Quant à Robert, sa pieuse repentance s'affiche avec démesure. Il pleure, se lamente, fréquente chaque jour les églises parisiennes. Il chante plus fort que les autres, passe des nuits en oraison et va même jusqu'à coucher par terre en marque de pénitence. Il nourrit les pauvres, leur lave même les pieds. Le roi fait tout pour expier ses péchés. Mais est-ce que cela suffira à assurer le salut de son âme? Robert, dit le pieux, n'est pas sûr de ce qualificatif. Aussi se lance-t-il dans un vaste projet de rénovation et de construction d'édifices religieux. À Paris, le roi fait reconstruire l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, malmenée par les Vikings. Et pour tenir le bon Dieu à sa disposition, il élève dans son palais une chapelle dédiée à Saint-Nicolas. Elle deviendra un siècle et demi plus tard la Sainte-Chapelle. Robert le Pieux ne s'en tient pas là. Il fonde aussi des monastères un peu partout dans le royaume, qui vont témoigner de la ferveur religieuse du Moyen-Âge. Mais le roi Robert n'oublie pas pour autant son confort personnel. Il agrandit son palais de l'île de la Cité. La preuve, c'est 4 tours le long de la Seine. Savez-vous qu'elles ont chacune un petit nom? La première, carrée, est la tour de l'horloge, car elle est flanquée de la première horloge publique. C'est un cadeau de Charles V aux Parisiens en 1371. Et c'est du clocher qui orne son sommet qu'on célèbre la naissance ou la mort des rois durant 3 jours et 3 nuits. Difficile de ne pas être au courant. Ici, vous avez la tour de César, en souvenir de la période romaine du palais,
et là la tour d'argent qui abrite le trésor royal. Et pour finir, la plus ancienne, la tour Bombec, dans laquelle on trouve la salle des tortures pour faire parler les Bombec. Pour en revenir à Robert, le roi n'a toujours pas d'enfant et doit assurer sa descendance. Il se résout à épouser en l'an 1003 une princesse qu'il n'a jamais vue. Constance d'Arles est âgée de 17 ans et a pour principale vertu de n'être d'aucune parenté avec le roi. À 31 ans, le roi fait figure de vieux barbon aux yeux de sa jeune femme. Aussi, pour se distraire, elle amène de sa Provence des grappes de jeunes gens. Avec eux, souffle un nouvel air frais sur Paris. Mais le désordre occasionné par toute cette jeunesse horrifie les vieux. Les nobliaux méridionaux ont les cheveux courts, le visage imberbe. Ce sont comme des femmes pour nos francs. Et ils s'habillent d'une manière extravagante, de vrais bouffons. Pensez, ils portent des bottines absolument ridicules, terminées par un bec recourbé. Si l'on y prend garde, c'est toute la jeunesse de Francy qui risque de se laisser tenter par ces accoutrements grotesques. Et les pieux abbés qui entourent le roi répètent à l'envi que la cour n'est plus ce qu'elle était. La jeunesse actuelle, mon Dieu, ne songe qu'au plaisir et à la débauche. Bref, à Paris, tout fout le camp. Et Robert, malgré ses 7 enfants, n'est pas heureux avec Constance. Cette maîtresse-femme veut tout diriger. Alors il se consacre davantage à ses travaux. Il a restauré le palais de la cité et l'agrandit par la conciergerie. Le bâtiment sert de résidence au concierge du palais. Concierge, un terme bien commun pour désigner une haute fonction de justice, assortie de privilèges gratifiants. Le concierge taxe l'avoine et chaque tonneau de vin. Les travaux sont réussis. Le nouveau palais de l'île de la Cité devient la résidence principale et le siège du pouvoir du roi de France. Un rôle qu'il conservera encore 300 ans. En installant le siège de l'exécutif dans ce palais, Robert le Pieux rend à Paris son rôle de capitale. Une capitale prospère. Mais jusqu'en 1031, car la montée sur le trône d'Henri Ier, fils de Robert le Pieux, annonce une période de fléau. Disette, épidémie et incendie se succèdent. Les Parisiens sont affamés et divisés. Certains acclament le nouveau roi Henri, d'autres lui préfèrent son frère cadet, Robert. Inquiet, son autorité contestée, Henri juge prudent de prendre la fuite. Il a raison de partir. Dans la capitale, les Parisiens découvrent de nouveaux plats dont la composition est à frémir. Sur les marchés, on vend des racines et de nouvelles sortes de viandes. On trouve du chien, des souris et même, dit-on, des cadavres déterrés à la hâte. Il ne faut pas être trop regardant et s'accommoder de ce qu'on trouve pour survivre. Dans les églises, nombre de malheureux affamés s'amassent. Ils espèrent être secourus ou attendent l'ultime délivrance. Qu'importe, pourvu qu'un événement vienne à bout de leur souffrance. Néanmoins, pour se détacher du pape, Henri Ier fonde à Paris une abbaye dont il est le seul maître. À l'emplacement de la vieille chapelle dédiée à Saint-Martin, le roi a fait bâtir le monastère Saint-Martin-des-Champs. Il lui offre des terres, le dispense de taxes et lui accorde des droits et des privilèges lucratifs. Situé alors hors de Paris, le prieuré a ses propres enceintes. Celles que nous voyons aujourd'hui datent de 1273. La Révolution transformera plus tard le prieuré en Conservatoire national des arts et métiers. Paris se fait multiple. L'île de la Cité est enserrée derrière ses murs. La rive droite se peuple de belles demeures et de sites religieux, dont l'expansion est cependant limitée par les marais.
Quant à la rive gauche, elle est essentiellement occupée par les abbayes, les églises et leurs vergers. Fermons le 11e siècle et ouvrons le 12e à la station Philippe-Auguste. Même si elle est hors des murs de Paris de l'époque, ce quartier porte l'empreinte de ce roi conquérant. Il y a l'avenue à son nom et aussi l'avenue de Bouvines, souvenir de sa victoire sur l'empereur germanique. Mais surtout, sa statue de 4 mètres de haut sur l'une des colonnes du trône, place de la Nation. Philippe-Auguste veut assainir Paris et le roi commence par nettoyer les cimetières. Étrange, me direz-vous. Eh bien, sachez que les cimetières n'ont pas toujours été un havre de paix. Sur la rive droite, près des Halles, le vaste cimetière des Innocents, ouvert aux quatre vents, offre une image désespérante. Entre les tombes et devant la fosse commune ouverte, les immondices s'accumulent. Des porcs s'ébrouent et de jolies dames font sans vergogne commerce de leur corps, de jour comme de nuit. Le roi ordonne aux péripapéticiennes d'aller exercer leur rentable activité ailleurs. Les cochons retournent à la porcherie et les détritus sont évacués. Pour protéger le lieu de recueillement et le sommeil des morts, il érige un mur qui ferme l'espace. Désormais, on entre au cimetière que de jour pour prier sur une tombe ou enterrer un défunt. La nuit, les portes sont closes, tout est sous clé. Et il n'y a pas que la propreté qui préoccupe Philippe-Auguste. Il s'attache aussi à la sécurité et à la nécessité de se défendre contre les invasions. Car Normands et Anglais menacent périodiquement le royaume de France. Alors, le roi a l'idée d'élever une solide muraille de 3 mètres de large sur 9 mètres de haut, en commençant par la rive droite. Et pendant qu'elle se construit, Philippe-Auguste se prépare à un événement qui va marquer l'histoire. En 1187, la cathédrale Notre-Dame est en pleine construction. Sur une étendue de pierres taillées, de cordes, de poulies, d'échelles, de poutres de bois, s'élève déjà le cœur de l'édifice. Il comprend 4 niveaux qui s'envolent vers les voûtes dont les nervures descendent des hauteurs. Elles se prolongent sur des piliers arrondis et tout autour, un double déambulatoire s'ouvre sur de petites chapelles. Audivi vocem magnam de templo, dicentem septem angelis. Et c'est sur ce chantier d'une demi-cathédrale que vient prêcher le patriarche latin Héraclius. Ite et fundite septem fialas ire dei interam. Ecce, fratres, impletum estemus. Le prélat est porteur d'une dramatique nouvelle. Oremus igitur patrem nostrum, qui est in celis, ut nos liberet a septem plagis. Saladin, le sultan d'Égypte, a pris Jérusalem, la ville de la révélation, est aux mains des Sarrasins. Le patriarche prône la levée massive de troupes. Il vient prêcher la troisième croisade, avec cet objectif dit, redit et répété, il faut libérer Jérusalem. In nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sanctus. Amen. Philippe-Auguste est bien décidé à se joindre à cette croisade pour sauver Jérusalem. Délivrer la Terre Sainte et le tombeau du Christ est un devoir, une mission, un acte de foi. Mais comment laisser Paris presque sans défense? Il a une idée et imagine, avant de partir, de transformer la forteresse du Louvre. Elle deviendra la pièce maîtresse de la défense de Paris. Il fait dresser un impressionnant donjon de 32 mètres de haut. Véritable bouleversement de l'architecture militaire traditionnelle. Ce donjon n'est pas de forme rectangulaire, comme c'est le cas d'ordinaire, mais circulaire. Cette nouveauté compliquera la tâche des agresseurs éventuels. Elle offre moins de prise aux projectiles et simplifie la protection. En outre, elle facilite la surveillance et le tir des archers. Et la muraille autour de Paris se construit, ponctuée de tours à intervalles réguliers.
traverse le Louvre pour passer rue de l'Oratoire. Et l'on peut voir encore un fragment de tour dans la sacristie du temple réformé. Plus loin, le 11 rue du Louvre conserve la base d'une autre tour. La forme arrondie des édifices mitoyens semble la faire surgir d'un moule de pierre. Passé la bourse du commerce, la muraille suit l'orientation donnée à la rue du Jour. Au niveau des 55-57 rue des Francs-Bourgeois, se trouve la base d'une tour, rehaussée d'une construction plus moderne. Un pavage au sol nous montre le tracé de la courtine. Nous empruntons celui de la muraille, au 10 rue des Hospitalières Saint-Gervais. Nous parvenons ensuite au plus beau morceau encore debout, celui qui longe le lycée Charlemagne, rue des Jardins Saint-Paul. Plus de 60 mètres de muraille, dont la tour Montgomery. Pendant que Paris se construit, notre Philippe Auguste est donc parti en croisade. De cette aventure de 18 mois, faite d'attentes, de tempêtes, de combats et de maladies, Philippe Auguste revient vivant, mais avec des séquelles physiques importantes. Il est affaibli, il a perdu ses cheveux, ses ongles et même un œil. Pourtant, son énergie est intacte et comme il a frôlé la mort, il est d'autant plus pressé d'œuvrer pour le progrès. Il voit grand, il fait construire la seconde partie de sa muraille, celle qui va protéger la rive gauche. Nous voici rive gauche, sur les traces de la muraille. La piste commence rue du Cardinal Lemoine. Elle suit à partir de la rue des Écoles le tracé du fossé extérieur de l'enceinte. On en voit un morceau qui jouxte la caserne des pompiers au 48-50 et un autre dans le jardin du 9 et 11 rue d'Arras. Pour les amateurs, de beaux fragments sont également visibles au 60, 64 et 68 rue du Cardinal Lemoine. Mais surtout, au 47 rue Descartes, là, à condition de s'armer de patience et de persévérance pour surmonter 3 digicodes, on peut monter sur le faîtage du rempart. La rue Mazarine représente jusqu'à la Seine le tracé du fossé extérieur de l'enceinte. Il en reste quelques traces dans le parking du 27 et dans le jardinet du 35. Le temps d'une pause au 13 passage Dauphine nous sert à monter au premier étage de l'Institut des Langues. Voilà une terrasse qui offre une bien belle vue extérieure sur le sommet d'une des tours. Plus loin, la rue Mazarine devait croiser la rue de Nevers. Mais un mur transforme cette rue en impasse. Eh bien ce mur, c'est encore l'enceinte. Et si l'envie vous prend d'aller rue Guénégaud, pensez à faire un saut dans l'immeuble du 29. Au fond de la cour, il y a encore une tour de la muraille. Comme sa muraille, Philippe Auguste est fascinant. Il a tout fait, tout imaginé, tout réinventé. Il a imposé l'autorité royale, agrandi le pays et renouvelé Paris. Ce bâtisseur d'avenir s'impose le premier comme roi de France, unissant ses territoires, à qui il donne une histoire, une langue et un projet commun. Avec lui, Paris prend son essor. La population atteint 50 000 habitants, le commerce y est florissant. Paris est en passe de devenir la capitale du plus puissant royaume d'Occident. Les formidables remparts de Philippe Auguste vont fixer les limites de Paris pour près de 2 siècles. Avec ce nouvel urbanisme, le Louvre forme un énorme rectangle fait de puissantes murailles. Au milieu de chaque mur se dresse une tour et chaque coin possède aussi une tour. La porte d'entrée, relativement étroite, est quant à elle située à l'est et encadrée de 2 nouvelles tours. Pour accéder à l'intérieur et permettre aux troupes et aux voitures de franchir le fossé, une seule possibilité,
Empruntez le pont-levis qui s'abaisse et se relève bien vite. Le Louvre est un château fort, quasi inexpugnable. Après le XIIe siècle où l'on bâtit, voici venu le XIIIe siècle où l'on s'instruit. Un siècle marqué par la divulgation des connaissances, où l'on assiste à la naissance de l'Université de Paris. Et c'est ici, à la station Maubert Mutualité, que l'enseignement se déroule. Mais pourquoi Maubert ? Eh bien, c'est le résultat d'une contraction assez amusante de Magister Mobus, le nom latin de Maître Albert, un maître en théologie talentueux. Ce dominicain allemand épris de philosophie enseigne à l'Université de Paris dès 1245 et rencontre un vif succès. On trouve d'ailleurs tout près la rue Maître Albert. Cette venelle coudée existait déjà au XIe siècle, mais sous le nom de rue Perdue. Finalement, cette rue n'a pas été si perdue que ça. Elle existe depuis 1000 ans et a traversé sans trop bouger tous les travaux et tous les plans d'urbanisme. On ne peut pas en dire autant pour l'Université de Paris. Hodie inquiremus quamente scrutatorem rerum esse opportat. Maître Albert a beau être un moine dominicain, il tend à s'éloigner des leçons prédigérées de l'Église. Il a quitté la majestueuse autorité de Notre-Dame pour donner d'abord ses cours au couvent dominicain de la rue Saint-Jacques. Mais entre ces murs, on se trouve bientôt à l'étroit. Personne ne se doutait qu'autant d'écoliers s'y presseraient avides de savoir. Alors, Maître Albert enseigne dans la rue. Ipse suo preclarissimo exemplo omnes admonet inter scientiam et fidem. Veritate, inter et bonum, inter doctrinam et sanctitatem, nullam existere oppositionem. Intimam potius coetionem ad esse. Au XIIIe siècle, alors qu'on peut mourir d'un mauvais rhume, les écoliers prennent le risque d'attraper une méchante fluxion pour le seul bonheur de l'étude. La place Maubert est située sur un important carrefour de communication. Il y a la voie romaine qui relie Paris, Lyon et Rome via la rue Galande et la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, mais il y a aussi la voie qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est pourquoi depuis le XIIe siècle s'élève une église dédiée à Saint-Julien le Pauvre, le patron des pèlerins et des voyageurs. Le petit édifice demeure un bel exemple de la transition entre l'art roman et l'art gothique. Découvrons Saint-Julien le Pauvre, à l'ombre du plus vieil arbre de Paris, planté en 1602. Voici une des plus vieilles églises de la ville. À l'époque, au XIIe siècle, elle abrite une communauté de moines clunisiens et joue un rôle très important dans la vie intellectuelle du quartier. Si la façade actuelle de l'église date du XVIIe siècle, on voit encore à l'extérieur de beaux contreforts de la fin du XIIe siècle. Mais aussi des restes de chapiteaux et de colonnes typiques des architectures romanes d'Île-de-France. À l'intérieur, les deux travées de la nef sont aussi du XIIe siècle. Car c'est ici que vont venir siéger les assemblées de l'université, qui donc délaissent peu à peu les rues et les places au profit de collèges de théologie et d'écoles. En fait, les lieux d'enseignement vont tellement pulluler sur toute la rive gauche que c'est elle-même qui va finir par se faire appeler l'université. L'enseignement s'étend, se multiplie, mais surtout s'organise. À l'époque, nous sommes en pleine période d'accumulation des connaissances. Et Paris déborde de sociétés savantes. Les étudiants y sont parisiens, riches ou pauvres, mais viennent aussi de tout le royaume et parfois même de l'étranger. Et comme dans le même temps, on assiste à une véritable libéralisation des mœurs, les filles de joie aussi investissent ce quartier latin, qu'on appelle ainsi parce qu'on y étudie en latin. Ainsi, dans ce quartier surpeuplé, où coexistent le savoir et le plaisir, le cocktail devient très vite explosif. Au mois de février 1229, une bande d'écoliers vient s'enivrer chez un cabaretier du faubourg Saint-Marcel. En fin de soirée, passablement éméché, les étudiants entament une discussion animée sur le prix de la boisson. Il est un peu trop élevé pour leur bourse. Le ton monte et aux mots succèdent les coups. L'université de Paris s'estime bafouée. Les esprits s'échauffent.
Aussi, pour faire pression sur l'autorité, maîtres et élèves usent d'un moyen nouveau. Ils cessent de travailler. L'enseignement est suspendu et les écoles se vident. Le mot grève n'apparaîtra que 6 siècles plus tard, mais déjà, il s'agit d'un conflit dur et sans concession. Maîtres et élèves quittent Paris et se rendent à Angers, Orléans, Toulouse, Poitiers, ou plus grave, à Oxford, en Angleterre. Le torchon brûle. Heureusement, le pape Grégoire IX va faire bouger cette situation figée. Il tient, lui, à ce que Paris reste un haut lieu d'enseignement, et notamment d'enseignement religieux. Alors il pousse à la négociation et il insiste. De son côté, Louis IX, jeune roi de 16 ans, intervient auprès de sa mère. Et finalement, Blanche de Castille cède et renouvelle les privilèges de l'université. Et elle s'engage en plus à obtenir des propriétaires parisiens des prix de location raisonnables pour les chambres destinées aux étudiants. De son côté, l'évêque de Paris fait serment de respecter maîtres et étudiants de l'université. Du coup, les étudiants et leurs maîtres reviennent à Paris après une grève qui aura duré 2 ans. Les cours reprennent et la population se montre plutôt satisfaite de voir le quartier latin retrouver de la vie après une longue parenthèse. Tous ces collèges ont-ils disparu? Pas si sûr. Près d'un cabaret construit sur ces ruines, regardez cette discrète voie privée. Elle recèle tout un pan de bâtiments du XVIIe siècle en vieille et large pierre. Eh bien, c'est une partie du collège du cardinal Lemoine. Approchez-vous mieux, tout près de ce renfoncement de l'ancienne entrée, et regardez. Ces sillons dans la pierre grège. Ils ont été gravés par une main d'écolier. 3C. Des lettres typiques d'une écriture du XVIIe siècle nous indiquent que cet étudiant logeait escalier 3C. Mais le plus beau de ces collèges, encore visible, reste celui des Bernardins, fondé en 1224. Agrandi au XIVe siècle, c'est un beau témoignage de l'architecture médiévale civile avec ses fenêtres gothiques à rosaces. Au 24 rue de Poissy, le sous-sol voûté, un ancien cellier, est toujours là. Et le rez-de-chaussée est l'ancien réfectoire du couvent. Ce dernier bâtiment est la plus longue salle gothique de Paris, avec plus de 35 mètres. Sous le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, l'université va se développer. Le roi, juste et bon, veut étendre le savoir. L'institution quitte alors la petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, trop exiguë, et s'établit à la Sorbonne. La Sorbonne est alors un simple collège de quartier fondé en 1257 par le confesseur du roi, Robert de Sorbon. Saint-Louis ne se préoccupe pas seulement de collège. Il est très pieux et les reliques sont sa grande passion. Il acquiert à grands frais un morceau de la vraie croix, la sainte éponge des bourreaux romains qui ont donné à boire du vinaigre au Christ, et même le fer de la sainte lance. Alors avec la couronne d'épines, le bâton de Moïse, du sang du Christ et du lait de la Vierge, la collection de reliques du roi de France est vraiment impressionnante. Mais où abriter un tel trésor? Le roi, très chrétien, veut un bâtiment digne de ses précieuses reliques. La chapelle doit être conçue telle une châsse précieuse. C'est à Pierre de Montreuil que revient le soin de transformer l'ancienne petite église du palais de la cité en un immense édifice reliquaire. Un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique rayonnant. La Sainte-Chapelle est consacrée solennellement le 26 avril 1248 par Saint-Louis, 2 mois avant son départ pour la 7e croisade. Aujourd'hui, les reliques ont disparu, pour la plupart détruites à la Révolution. Seules quelques-unes furent épargnées et sont conservées aujourd'hui au trésor de Notre-Dame de Paris. Par contre, la chapelle du roi, elle, est toujours là, presque intacte. Même si elle est étrangement insérée dans les bâtiments du palais de justice. Dans ce XIIIe siècle, 10 siècles d'or de Saint-Louis,
La France est la plus grande puissance d'Europe. Il est normal que les écoles s'y multiplient. De riches aristocrates et de nombreux ordres religieux financent des fondations où les étudiants, logés et nourris, peuvent s'instruire. Entre la place Maubert et la montagne Sainte-Geneviève, des collèges poussent un peu partout. 42 000 étudiants de tout âge, de 15 ans à 50 ans, suivent les cours dans près de 75 collèges. Paris fait vraiment figure de cœur vibrant du monde intellectuel. Entrons au XIVe siècle, place de l'Hôtel de Ville, ancienne place de Grève. À l'époque, cette place est plus petite et possède une grève. Petite plage de sable et gravillon, commode pour décharger les marchandises venues de la Seine. Un port et un marché s'y sont développés, et même le centre de l'administration parisienne. Là, le prévôt des marchands, Étienne Marcel, en lutte avec le pouvoir royal, va se réunir avec les marchands de la ville. Mais avant d'en savoir plus, découvrons la plus ancienne maison de Paris. C'est au 51 rue de Montmorency qu'on trouve la plus vieille maison de Paris. La maison dite de Nicolas Flamel, construite en 1407. Nicolas est un bourgeois aisé du XIVe siècle. Un riche mariage et une carrière d'écrivain public et de copiste ont assuré sa fortune. Il va la consacrer à des fondations pieuses à la fin de sa vie. L'histoire de l'homme en quête de la pierre philosophale capable de transformer le plomb en or, c'est un mythe. Nicolas Flamel n'était pas plus alchimiste que vous et moi. Il n'a même jamais habité ici. Seulement homme pieux et très riche, il n'a pas hésité à abriter ici, généreusement, des paysans venus labourer les terres aux alentours de Paris. De toute façon, il suffit de le lire sur la façade. Tout est écrit en belles lettres gothiques. Nous, hommes et femmes laboureurs, demeurant au porche de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit de dire tous les jours un Pâtre Nôtre et un Ave Maria en priant Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amen. De retour au XIIIe siècle, allons rencontrer Philippe le Bel. Le 11e roi capétien est sévère et autoritaire. Monté sur le trône en 1285, Philippe le Bel veut une monarchie centralisée. Cette idée l'obsède. Il veut réunir entre ses mains tous les pouvoirs. Ses aïeux ont inventé la monarchie de droit divin. Il exige, lui, une monarchie plus absolue. Et l'ordre du temple lui fait de l'ombre. Sa solution ? Abattre la plus riche et la plus puissante congrégation religieuse. Le vendredi 13 octobre 1307, à l'aube, les hommes du roi encerclent l'enclos du temple, un ensemble construit sur des marais asséchés de la rive droite. Les templiers forment un ordre militaire religieux soumis à la seule juridiction du pape. Ils bénéficient d'importants privilèges. Et le roi ne supporte pas leur indépendance, ni que l'on conteste son autorité. 138 templiers sont accusés d'hérésie, arrêtés et leurs biens confisqués. Chacun sait que le vendredi 13 porte malheur. Après 7 ans d'enquête, de procès, de torture menée par l'Inquisition, Jacques de Molay, grand maître du temple, et 3 autres dignitaires sont extraits de leurs cellules. Ils sont traînés sur le parvis de Notre-Dame pour entendre leur sentence. À la vue de ces prisonniers détruits par 7 ans d'humiliation et de supplice, la foule laisse échapper un long murmure de compassion. Les juges, eux, condamnent les accusés à la prison, à perpétuité. À ce moment, Jacques de Molay, dans un sursaut de fierté, s'adresse au peuple de Paris. Il clame son innocence. Il n'a pas renié le Christ, ni craché sur la croix. Ses aveux ont été extorqués. Il n'est coupable que de fausses confessions. Un autre templier, Hugues de Perrault, le suit et renie ses aveux. Les Parisiens n'aiment pas qu'on les trompe, ni qu'on leur mente. Les cardinaux sentent le danger et se hâtent d'en finir. On remet les accusés au prévôt du roi et qu'il se débrouille avec la sentence. Lié au poteau, Jacques de Molay demande à être tourné vers la cathédrale Notre-Dame. Il veut mourir en confiant son âme à Dieu. Le maître des Templiers lance alors une malédiction à ses persécuteurs. Dieu sait qui a tort et qui a péché. Et le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. Et ceux qui nous sont contraires auront à souffrir. Jacques de Molay est brûlé vif sur l'île aux Juifs,
face au palais de la cité. Mais sa malédiction lui survivra. Les rois maudits, ça vous dit quelque chose? Le roi Philippe le Bel succombe à une chute de cheval 8 mois plus tard. Il laisse le royaume sans héritier. 14 ans après, la lignée royale des Capétiens s'éteint complètement. L'ordre des Templiers a disparu au XIVe siècle, mais en 1667, alors qu'on construit de nouvelles maisons pour des artisans, les pioches des ouvriers rencontrent des vestiges. Ce sont les restes des murailles de l'enclos du Temple, la plus grande commanderie de France des Templiers. À l'époque, elle comprend un donjon de 50 mètres de haut, la tour du Temple, une église et des bâtiments annexes. Au XVIIe siècle, on y construit un palais pour le grand prieur, dont il ne reste hélas rien de nos jours. Par la suite, pendant la Révolution française, la tour du Temple est transformée en prison. Louis XVI et sa famille y seront incarcérés en 1792 et 1793. Et le petit Louis XVII y mourra. Louis XVI ne quittera la tour du Temple que pour se rendre à l'échafaud le 21 janvier 1793. Et Marie-Antoinette pour la prison de la Conciergerie avant de subir le même sort que son époux. Napoléon fera détruire la tour début 19e siècle. Quant à l'église du Temple, elle est vendue en 1796 à un particulier qui l'a fait raser. De l'ensemble fortifié du XIIIe siècle, il ne reste donc qu'une tour, au 73 rue Charlot, dissimulée entre les pans d'un bâtiment vétuste. Mais la fin tragique des Templiers ne porte pas bonheur aux Capétiens. À la mort sans descendance du dernier des Capétiens directs, Charles IV, un interminable conflit entre la France et l'Angleterre va éclater. Alors commence la guerre de Cent Ans, qui en fait va en durer 116 avec les Anglais. La France va devoir en plus faire face à un autre fléau, la peste. Et tous ces malheurs aboutissent à la terrible défaite de Poitiers le 19 septembre 1356, où le nouveau roi de France, Jean le Bon, est fait prisonnier par les Anglais. À Paris, le prévôt des marchands, Étienne Marcel, prend les choses en main. Il est urgent de renforcer les défenses de la ville, car on craint une attaque. Tout cela, évidemment, coûte très cher. Alors le prévôt instaure une nouvelle taxe sur les boissons. Désormais, quand on vide un flacon de vin ou un pichet de bière, c'est la défense de Paris qu'on finance. Mais encore faut-il une armée pour tenir la ville. Étienne Marcel lève une garde civile, prête à faire feu sur l'ennemi anglais. Pourtant, au palais de la cité, le dauphin Charles, âgé de 18 ans, assure la régence pendant que son père est prisonnier à Londres. Mais Étienne Marcel, prévôt des marchands, le trouve peu efficace. Alors, il réunit 3000 hommes, armés, à quelques pas de la Sainte-Chapelle. Le prévôt leur parle de Paris. Paris, que l'on s'apprête à livrer à des bandes voraces de gueux, prêts à faire main basse sur ses richesses. Que font les soldats du dauphin contre ces brigands? Que fait le dauphin pour vaincre la misère de la ville? Galvanisés par ces paroles, les Parisiens laissent éclater leur fureur. La foule traverse la rue et se rend au palais de la cité. Entouré de quelques hommes, le prévôt force la porte des appartements du dauphin. Étienne Marcel reproche au fils du roi de ne rien faire pour maintenir l'ordre. Charles répond que ceux qui disposent des finances, c'est-à-dire le prévôt, doivent prendre leurs responsabilités. Sire, vous ne risquez rien, dit Étienne Marcel. Mes hommes sont bienveillants, car ils sont venus pour votre profit. En prononçant ces mots, Étienne Marcel retire son bonnet bleu et rouge, les couleurs de Paris, et en coiffe le dauphin, signe de la protection accordée par la ville au jeune prince. Et puis? Eh bien rien. La révolte n'est pas une révolution. Sans théoricien, sans doctrine, sans projet, la colère mène à une impasse. Éblouis par leur propre audace, le prévôt et ses hommes se hâtent de quitter le palais pour aller pavoiser avec leurs partisans. Le lendemain de ces événements, se tient une assemblée au couvent des Augustins, au bord de la Seine, sur la rive gauche. Étienne Marcel réunit les gens de la bourgeoisie, du clergé et de l'université. Le maire de Paris défend un système de monarchie contrôlé par les états généraux. Des assemblées qui regroupent les trois ordres, le peuple, nommé le tiers-état, le clergé et la noblesse. Ensemble, ils sont chargés de délibérer sur la guerre et les finances. En clair, Étienne Marcel instaure son pouvoir total sur Paris. Que de changements survenus depuis Philippe le Bel. Pour marquer d'un symbole fort sa puissance, Philippe le Bel a transformé le palais de la cité, l'a agrandi et remodelé. Le roi a créé une muraille le long du fleuve. Cette enceinte n'a pas une véritable fonction défensive. Elle se dresse plutôt comme l'expression de la force et de la grandeur royale. Mais le XIVe siècle a été cruel pour les rois.
On le sait maintenant. C'est de Paris que monte la colère. C'est de Paris que vient la contestation. Cet éternel esprit contestataire des Parisiens inquiète les rois. Paris et ses emportements sont si imprévisibles. Alors on décide qu'en cas de crise, il faut à tout prix protéger l'exécutif et l'éloigner de la capitale. Le roi, ses officiers, scribes et secrétaires doivent rester hors d'atteinte des aigreurs populaires. Et c'est dans une forêt giboyeuse, proche de la capitale, qu'on va construire un des plus grands châteaux qui soit. C'est à Vincennes que ça se passe. Dans sa physionomie, le château de Vincennes tient plus de la résidence royale fortifiée que du château fort. Et c'est à Charles V que l'on doit les grandes transformations du simple manoir d'antan. Pour commencer, il veut fortifier le site et construire un donjon à l'ouest du manoir d'origine. C'est lui qu'on voit au centre. Ce donjon, destiné à accueillir le roi, est une véritable place forte à l'intérieur de la place forte. Une tour carrée, munie de tourelles à ses quatre angles, abrite cinq niveaux. On trouve les appartements royaux avec terrasse au premier et deuxième étage. Et on réserve aux soldats et aux domestiques les autres niveaux. Seules les provisions et réserves sont placées au rez-de-chaussée. Là où le roi installe son cabinet de travail, on soigne les lieux. Et on installe des statues de la Trinité pour rappeler qu'il est sous protection divine. Les décorateurs peignent la chambre du roi de fleurs de lys d'or sur un fond bleu. Et avec 8 mètres de hauteur sous plafond, il y a du boulot. Mais ça n'est pas tout. Une enceinte de 11 mètres de haut, de larges douves, une entrée principale, un châtelet, et deux autres portes accessibles par des ponts-levis assurent la défense de l'ensemble. Le donjon et l'enceinte sont achevés en 1371. Mais le roi veut plus. Il ordonne la construction d'une autre enceinte pour protéger l'ensemble des bâtiments, donjons, vieux manoirs, chapelles et bâtiments résidentiels. 9 ans plus tard, la muraille et son chemin de ronde ceinturent la forteresse. L'ensemble a de l'allure, c'est sûr. Mais Charles V va mourir et son successeur a d'autres préférences. Charles VI apprécie surtout l'hôtel Saint-Paul, qui se trouve sur l'actuel quai des Célestins. C'est son père qui l'a fait construire. Le même qui lui a transmis le goût des belles choses. Tentures brodées, peintures, pièces d'orfèvrerie et bois précieux. Et la vie est si calme, l'air si pur. C'est justement ce que veut le roi. Dans cet ensemble luxueux de bâtiments, parcs et jardins, ce qu'il veut, c'est se refaire une santé. L'hôte de ces lieux enchanteurs, le roi Charles VI, se comporte étrangement. Charles VI a des absences, et parfois même des crises de démence. La plupart du temps, la crise est innocente, mais pas toujours. Il a déjà tué 4 personnes, sans raison. Il faut donc attendre que la crise s'éloigne, jusqu'à la prochaine. Dans ces conditions, le pouvoir est confié à différents régents successifs. Mais au lieu de veiller à la bonne marche de l'État pendant les absences du souverain, il livre au pillage le trésor royal. Paris reste convoité, et la folie du roi est perçue comme une occasion de s'emparer du pouvoir. Bourguignon et Armagnac se disputent déjà le trône. C'est ainsi que le duc de Bourgogne, Jean sans peur, va transformer son hôtel particulier parisien en petit château fort. En prévision des affrontements, il fait construire une tour solide de 27 mètres de haut. Elle se dresse fièrement dans Paris, comme un roc inexpugnable. Et c'est au 20 rue Étienne-Marcel, dans le 2e arrondissement de Paris, que l'on peut toujours l'admirer. Visitons cette surprenante architecture bourguignon-médiévale en plein Paris. On y voit une salle des gardes au rez-de-chaussée, des appartements au premier, une belle salle au deuxième, la chambre à coucher des écuyers au troisième et la splendide chambre du duc au quatrième. Et tout en haut, on trouve aussi deux souvenirs du duc de Bourgogne. Tout d'abord, le magnifique chêne de pierre qui grimpe sous les voûtes. Cet arbre a trois types de feuilles. Celle du chêne, pour rappeler son père Philippe le Hardi, celle de l'aubépine, pour rappeler sa mère, et le houblon, pour lui-même. Ensuite, on y découvre encore deux vitraux, dont un porte les armes du duc. Les temps qui s'ouvrent voient s'affronter les fidèles du roi et les partisans des Bourguignons.
L'affreuse discorde a tourné à la guerre civile. Et pendant que les deux clans se battent, l'anglais fait figure de troisième larron. Il cherche à profiter de la situation pour dominer le royaume. Au milieu de tous ces troubles et des ravages des épidémies, le château de Vincennes reste le lieu où se réfugier et où le pouvoir peut s'exercer. Un havre de paix, en quelque sorte. Mais le havre de paix et surtout de sécurité qu'est le château de Vincennes n'exclut pas quelques améliorations. En 1470, Louis XI se fait construire dans l'angle sud-ouest de l'enceinte du château un coquet pavillon de plein pied, plus agréable que les pièces à étages du donjon. Il en profite aussi pour relancer le chantier de la chapelle. Quel sublime témoignage de l'architecture de la fin du XVe siècle. Du gothique flamboyant pur, avec une nef d'un seul niveau, aux vertigineuses proportions. Sous Louis XIV, le château est converti en arsenal. Il s'endort. En 1958, à peine élu président de la République, le général de Gaulle songe très sérieusement à y établir le cœur du pouvoir républicain. Mais finalement, il y renonce. Nouvelle mise en sommeil pour les bâtiments. Le donjon menacé de ruine doit être fermé en 1995. Mais 12 ans plus tard, il revient, ragaillardi, entièrement restauré à l'aide de 20 000 blocs de pierre. L'irremplaçable témoignage de l'architecture médiévale rouvre ses portes au public. Revenons au XVe siècle et à notre guerre civile opposant Armagnac et Bourguignon. Jean sans peur vient de traiter secrètement avec le roi anglais Henri V une répartition du royaume. Paris sera bientôt le fief du duc de Bourgogne. Dans la nuit du 29 mai 1418, 800 soldats bourguignons massacrent les fidèles du roi fou. Charles VI est promené comme une marionnette dans Paris, et en plus il sourit. Le fils du roi, le futur Charles VII, se déguise alors en bourgeois. Il met un pauvre manteau gris, un simple bonnet, et il fuit incognito. C'est juste avec une petite troupe de soldats fidèles qu'il fuit la capitale, encore une fois livré à la violence. Prince sans couronne et apparemment sans avenir, Charles ne sait pas alors qu'il lui faudra 18 ans de combat pour reprendre Paris et reconquérir le pouvoir. À Bourges, dont il fait sa capitale provisoire, le dauphin Charles se déclare pourtant le seul détenteur du pouvoir. Bientôt, les partisans du jeune roi Charles VII considèrent Bourges comme la véritable capitale du royaume. Car les Anglais occupent les bords de Seine et contrôlent plus de la moitié du territoire. Bordeaux, la Normandie, la Champagne, la Picardie, l'Île-de-France et bien sûr, Paris. Alors, chacun guette déjà le moment où Paris redeviendra la capitale d'une France dont l'anglais aura été bouté hors de ses frontières. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le Paris de la Renaissance. Nous accompagnerons la ville et la France dans ces bouleversements qui vont l'entraîner de la monarchie absolue à la République, en passant par une révolution.